Good morning, Aleiden, les tutos aujourd'hui, le Lunishmat, Moriv Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman, Nissim ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, Shlomo ben Esther, Shlomo Nissim ben Sarah, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e minute éternelle. Nous étudions Maserhet Minachot, Perik Vav, Mishnah Bet, Minchat Kohanim, ou Minchat Kohen Mashiach, ou Minchat Nesachim, la Mizbeach, Ve'en Bahem la Kohanim. Bazé, Yafé, Koach, Amizbeach, Mikoach, Akohanim. J'te alechem velechem apanim la Kohanim, ben bahem la Mizbeach. Ou bazé, Yafé, Koach, Akohanim, Mikoach, Amizbeach. Dans la Mishnah précédente, on avait introduit qu'en général, une mincha, on prélève le kometz, la pincée, l'échantillon, on fait monter sur le Mizbeach, et le reste est consommé pour les Kohanim. Donc il y en a pour tout le monde, un peu pour le Mizbeach, un peu même beaucoup pour les Kohanim. D'accord ? La Mishnah maintenant va venir me parler des deux cas de figure où il y aura soit tout pour les Kohanim, soit tout pour le Mizbeach, sans que l'autre partie ne reçoive quoi que ce soit. Et on traduit tout de suite. Minchat Kohanim, ou Minchat Kohen Mashiach, ou Minchat Nesachim, la Mizbeach. Minchat Kohanim, c'est une oblation offerte par les Kohanim, on a déjà évoqué plusieurs fois le sujet. Idem encore pour le Minchat Kohen Mashiach, la Mincha du Kohen Gadol qui inclut en fait la Mincha Travitin, le Travité Kohen Gadol, que tous les jours il doit laisser une offrande. On avait déjà expliqué aussi le principe dans une Mishnah plus haut. On avait expliqué donc que tous les jours le Kohen Gadol on doit faire une oblation spéciale. En tout cas, le principe c'est le même. Toute Mincha de Kohen, on ne va pas prélever un petit peu et le reste va être consommé par les Kohanim, mais on va intégralement la prendre et jeter au feu tout le contenu de l'ustensile où se trouve la mitra. On va donner toute la mitra au feu, sans aucune consommation au Kohanim. Donc il ne va rien rester au Kohanim. Idem aussi pour la minchat nesachim. Minchat nesachim, on avait déjà dit aussi, lorsque l'on apporte un korban, pour beaucoup de korbanot, il faut en plus de ça apporter des oblations de blé et de vin. Et ces menachot-là sont entièrement offertes au Kohanim. La minchat nesachim, au Mizbeach. Elle va être entièrement donnée au Mizbeach sans qu'il y ait aucune consommation pour le Kohen. D'accord ? Et la Mishnah conclut en me disant Ve'en Bahem, donc la Mizbeach, Ve'en Bahem la Kohanim, c'est pour le Mizbeach, sans qu'il y ait quoi que ce soit pour le Kohanim. Bazé, il y a fait Koach Mizbeach, à Mizbeach, mais Koach Kohanim. En cela, tu vois en quoi la force du Mizbeach. Le Mizbeach a la main haute sur le Kohanim. C'est-à-dire, d'accord, c'est une expression en hébreu, Yafé Kocho, sa main, il a la main forte, c'est-à-dire il emporte, il a l'avantage. En bon français, on dirait comme ça, comme au tennis, on a l'avantage, on a la... D'accord, Beza Yafé Koach, à Mizbeach, mi Koach Kohanim. En cela, la force des Kohanim, du Mizbeach est plus forte que celle des Kohanim. A l'inverse, Shta Alechem, Belechem Apanim, on va ensuite expliquer, bien sûr, qu'est-ce que cette phrase est venue dire. C'est venu inclure et faire un petit peu d'ordre dans certains korbanot. Tout d'abord, on continue avec la suite de la Mishnah. Jete alechem velechem apanim, avec la Kohanim, ben ben la Mizbeach. À présent, on va parler des korbanot, oblations, où il va y avoir tout pour les Kohanim et rien pour le Mizbeach. En l'occurrence, deux cas de figure qui sont très compliqués à comprendre parce qu'ils ne sont pas vrais. On va expliquer pourquoi aussi. Jete alechem, c'est les deux pains de Atzeret. Jete kif c'est Atzeret, le fameux rituel. On apporte justement les deux shlamim avec les deux pains et on va tous les balancer, puis ensuite on va offrir les shlamim au Mizbeach. Mais par rapport à ces pains, alors les pains ils vont être intégralement mangés par les Kohanim sans que l'on va prélever quoi que ce soit du pain pour le Mizbeach. Donc les pains ils reviennent entièrement aux Kohanim. Le problème qui se pose, c'est que finalement, d'accord, on t'a dit quand même de faire monter aussi les shlamim pour le Mizbeach. Donc finalement, il y a une part pour le Mizbeach. Et la réponse va être ce qu'on va voir dans quelques secondes. Velechem apanim, lechem apanim, c'est les 12 pains du Shabbat, le rituel du 12 pains. On prélève les 12 pains, on ne va rien prélever de ces pains pour le Mizbeach. D'où la question, il y a quand même les bazichin. On avait déjà expliqué qu'il y avait là-bas deux cuillères, où il y avait dedans de la levona, une encens, qui était aussi sur cette table, et qu'il fallait prendre et verser sur le Mizbeach en guise de kometz. Donc finalement, il y a aussi une part pour le Mizbeach. On va faire de l'ordre tout de suite. Tout d'abord, je conclue la Mishnah en la traduisant. Au basé, il y a fait Koach HaKohanim et Koach HaMizbeach. Dans les deux exemples que je t'ai rapportés, tu constates, dans ces deux cas spécialement, où tu verras qu'il y a la main haute pour le Kohanim plus que pour le Mizbeach, c'est-à-dire que le Kohanim
vont tout avoir et rien pour les musulmans. D'accord ? Bon, on refait un petit peu d'ordre. Il y a tout d'abord, on revient sur la première partie de la Mishnah où il y a un grand problème. On a dit que Minchat Kohanim ou Minchat Kohen Mashiach ou Minchat Nesachim, donc trois types de Minachot qui sont entièrement versés sur le Mizbeach sans que l'on donne quoi que ce soit pour les Kohanim. La Mishnah conclut en me disant Bazé Yafé Koach à Mizbeach, mais Koach à Kohanim. En cela, la force de le Mizbeach, on voit qu'il a la main haute, qui prend tout et rien pour les Kohanim. C'est une phrase en trop. D'accord ? C'est une phrase qu'est-ce qu'elle vient dire, en fait, cette phrase ? Et la Gemara explique, en fait, que c'est venu, en fait, exclure d'autres cas où tu verras qu'il y a tout pour le Mizbeach, mais en réalité, si tu regardes bien, tu verras qu'il y a aussi certaines choses qui reviennent au Kohanim. En l'occurrence, par exemple, un Korban Ola. La Ola aussi, on l'a fait monter intégralement sur le Mizbeach. Mais malgré tout, la peau revient au Kohanim. La peau, elle était... On a déjà pris ça dans Svachim. La peau, elle était utilisée, elle était partagée entre les Kohanim. C'était du cuir, ça coûtait de l'argent, tout ça. C'est un cadeau pour les Kohanim. Donc finalement, ça vient exclure la Ola, par exemple. Ça exclut encore la Ola Ta'of. Ola Ta'of, il n'y a plus de peau. Mais malgré tout, il y a les plumes. Elles sont récupérées, elles sont données aux Kohanim de nouveau. Et aussi, ça vient inclure aussi... Alors là, il y a un problème. Il y a le Barthanoa qui rallonge et le Tosfot Yom Tov qui rallonge 10 fois plus à peu près. Parce que le Barthanoa, c'est-à-dire... On est venu aussi parler d'un certain cas, la question c'est ce qu'on est venu l'inclure ou l'exclure en fait. Il y a un problème qui se pose. On parle du cas où même quelqu'un qui va vouloir faire un don de vin, alors la Mishnah elle est venue me dire aussi que... Alors, le Barthanoa il dit que c'est venu inclure, mais en réalité, le Tiferet Israël il rapporte ça de manière très concise, en disant que c'est venu exclure en fait. La Mishnah elle est venue m'apprendre que lorsque tu vas faire une Minchat Nesachim, il y a un problème. Lorsque tu fais une minchat nesachim, donc tu offres une offrande, une oblation qui accompagne le korban, tu peux aussi faire un don, une nidvat yain, apporter du vin en cadeau. Et lorsqu'on va apporter du vin en cadeau, il y a une question qui se pose, c'est discuté dans la Gemara. Est-ce qu'on va le prendre, on va le verser sur le misbéach, dans le feu, ou est-ce qu'on va le verser dans les chitin? Il y avait là-bas, sur le coin du misbéach, le coin sud-ouest, il y avait là-bas deux trous où il fallait dedans verser le vin et que le vin dégoulinait jusqu'au fondation du Mizbéar tout en bas. Maintenant, la Mishnah, en fait, elle est venue en fait me dire comme ça, elle est venue me dire, sache que sur ces trois choses-là uniquement, tu verras que le Mizbéar il reçoit tout. Tandis que sur le don de vin, hein, quand tu vas vouloir offrir du vin, sache que tu ne vas pas en faire cadeau au Mizbéar. Le Mizbéar n'aura aucun avantage sur les Kohanim, parce que ni le Mizbéar, ni les Kohanim, ils vont le recevoir. Pourquoi ? Parce que ça ne va pas être versé sur le feu, mais ça va plutôt être versé dans les deux trous. D'accord ? C'est comme ça que c'est interprété dans le Tiferet Israël. Et à part ça, maintenant, on revient sur la fin de la Mishnah. Il y a deux petits problèmes techniques, en fait. On a parlé de Shteh Alechem. Bon, alors Shteh Alechem, les deux pains de Shavuot, il y a un problème technique, comme ce qu'on a dit. C'est que, avec eux, il faut aussi apporter des Korban Shlamim. Donc s'il faut apporter des Korban Shlamim, il y a aussi une part qui revient sur le Mizbeach. Alors quoi, t'es venu me dire sur la part qui revient en Kohanim et rien qui est donné au Mizbeach? C'est un peu bizarre comme histoire. Le Barthanoa nous apporte une solution simple, mais en réalité qui dépend d'une discussion. Il nous dit que non, ça arrive parfois que l'on n'a pas des Shlamim et qu'on va apporter deux Shteh Alechem. Et on va quand même pouvoir apporter, on va faire le rituel de les balancer, sans les deux Shlamim. Et donc dans ce cas-là, on regarde que les Shteh Alechem, ils reviennent spécifiquement au Kohanim et pas au Mizbeach. Sauf que, si vous vous en rappelez, quand on avait lu dans Perek Dalet Mishnah Gimel, on avait vu qu'il y avait en réalité une discussion. Est-ce qu'on peut apporter les deux pains sans les shlamim, ou au contraire les shlamim sans les deux pains? Et la Mishnah va selon Rabbi Shimon. Comme ça que c'est rapporté succinctement dans le Tosfot Yom Tov. Et à propos aussi du Lechem Apanim, on a soulevé une question qui est soulevée mais pas tellement traitée en fait. Le Lechem Apanim aussi, il y a une part qui revient au Mizbeach puisqu'il y a les deux petites cuillères d'encens qui reviennent au Mizbeach. Mais malgré tout, là, spécialement, on va dire que je l'avais lu ça dans le Tiferet Israël, qui nous disait, ouais, mais les cuillères, ça fait pas intrinsèquement partie du pain, c'est pas consommable, c'est pas quelque chose qui se mange, je sais pas exactement qu'est-ce que ça implique comme réponse, mais bon, dans quel baiser, voilà quoi, même si les deux cuillères, c'est quelque chose d'externe, à part les 12 pains, donc les 12 pains, il n'y a rien qui revient en Kohanim, voilà, c'est à peu près la Mishnah. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sera.